Parce qu'il peut raconter ça sur n'importe quel média. Mmh. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que les gens ont rendu l'histoire d'argent un peu tabou, que ce soit dans tous les domaines. Quand tu parles d'argent, les gens se disent, alors que c'est l'unité de mesure. Mmh. J'ai dit que l'eau, on mesure l'eau avec le litre. D'accord. On mesure l'air avec les barres. Mais on mesure l'eau et la distance avec les mètres. Mais on mesure le succès avec quoi? Donc le monde s'est entendu quand même. On dit, bon, il est millionnaire. Si tu veux être classé sur Forbes, sur les grands magazines, on va dire, bon, voici son capital. Ou que les grandes sociétés se mesurent par capital X. J'étais en train de lire le capital de votre télé. Bon, je ne vais pas dire ça ici. Donc je trouve que vraiment, ils ont mis des moyens pour pouvoir fonder cette télévision. Donc c'est l'argent. Mais comment aller chercher l'argent? Il faut inclure l'amour. C'est-à-dire, moi, je gagne l'argent avec vous pendant que vous riez. Et que moi aussi, je dis, mais si je dois gagner l'argent avec vous et que vous allez rentrer la nuit pleurer, vous voyez que ce n'est pas une voie de la sagesse. D'accord. C'est pourquoi moi, j'ai dit, c'est impératif pour n'importe quel être humain. Parce que pour moi, à partir de 5 ans, tu dois commencer à chercher l'argent. Ah bon? Oui, mais... Si un bébé de 5 ans tombe malade et que ses parents sont pauvres, si l'enfant même avait ramassé de l'argent... Est-ce que le bébé, il est conscient? Oui, mais la conscience, la maladie ne veut même pas savoir si tu es conscient ou inconscient. La maladie t'attrape. On a vu des gens mourir à 1 an, 2 ans parce que leurs parents n'avaient pas l'argent. Imaginez si l'enfant même avait eu l'argent, il dit à son papa que le vieux père vient ici parce que moi-même, j'ai 100 000 francs avec moi. Le vieux va prendre ça le soigner. Donc, il n'y a pas d'âge pour aller à la recherche de l'argent. D'accord. Mais en Afrique, on nous avait tellement mal éduqués sur le plan financier qu'il faut, à 25 ans, si tu es pauvre, tu ris toujours. À 50 ans, tu es pauvre, tu souris. Bon, moi, je ne comprends pas ce type de sourire, en fait, parce que je ne sais pas si tu comptes sur quoi. C'est ça qu'on appelle le courage. Donc, du coup, il faut arrêter d'être courageux dans le vide. Il faut bâtir des entreprises, il faut bâtir des relations, il faut être financièrement literate. On appelle ça l'ABC de la finance. Nous, on appelle l'ABCD de l'alphabet français. Il y a l'ABCD de l'argent. De l'argent, qu'il faut impérativement apprendre. Dans l'ABC de l'argent. Hein? Dans l'abécédaire de l'argent, A, c'est quoi? Le A, c'est entreprendre. D'accord. Ah non, A pour argent, peut-être. Il y a entreprendre d'abord. D'accord. Parce que quand tu écris le mot entreprendre, d'accord, okay. J'entre et je prends pour moi. Ah, j'entre et je prends pour moi. Mais si d'accord, tu n'entres pas, tu ne prendras rien. Mais j'entre où? Tu rentres par la créativité. D'accord. Par l'imagination. Mais il y a des créatifs qui n'ont pas d'argent. Bon, ceux qui n'ont pas monétarisé. D'accord. Parce que tu peux être créatif. Moi, j'ai rencontré un artiste qui dessine très bien. Il m'a dit, ça fait 25 ans, il est là-bas. J'ai dit, que je ne fais pas ça pour l'argent. Moi, j'aime mon métier. J'ai dit, tu vas mourir comme ça. Et puis, il avait une vilaine moto. Mais il dessine bien. Ouais. Mais c'est lui qui était le premier à me dire qui ne fait pas ça pour l'argent. J'ai dit, mais attendez, mon ami, si tu ne monétarises pas ton art, ta créativité, mais tu n'auras pas l'argent. Ce qu'il fait, s'il me dit de payer ça à 100 000, 300 000, je suis prêt à payer. D'accord. Mais il a dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent. Donc ils sont nombreux, ces gens-là qui disent « Ah, ce que je fais, ce n'est pas pour l'argent. » Et après, il a besoin d'argent. C'est ça. Donc, quand on crée, on monétarise. D'accord, ça marche. Continuez à être avec mon papa pour la deuxième vidéo. Regardez bien et on se retrouve dans quelques instants. Lorsque tu es en classe de CP1 et puis tu veux faire université, ouais, que c'est les profs même qui doivent te chicoter. Tu n'as pas validé CP1. Mais c'est toi qui veux faire l'université, mon ami. C'est pas parce que tu es barbu que tu vas faire l'université. C'est parce que tu connais les 26 lettres de l'alphabet. Quand le professeur fait une dictée, tu peux le copier. C'est pour dire que quoi? Un continent qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Un pays qui souffre à manger 3 repas par jour. Mon ami, toi tu vas aller loin à l'école pour faire quoi? Pour bavarder comment? Pourquoi nous embrouillent? On ne veut pas des intellectuels qui nous mettent dans de l'embrouillamini total. Non, nous voulons des intellectuels capables de fabriquer des fusées, capables d'employer 1000 jeunes. Mais des études, non? Tant que vous avez faim, tout ce que tu fais là, c'est faux. Tu mens. C'est ça que j'ai dit à la jeunesse africaine. Quand tu sais bien lire et écrire, il faut entreprendre. Moi, je suis entrepreneur. Personne ne bosse comme moi. Même ceux qui préparent leur doctorat là. Moi je trouve qu'ils ont le temps souvent de loiffer et de boire du thé. Mais moi je suis entrepreneur. Je dois payer des loyers. Je dois réparer. Je dois payer des gens. À ce moment je dois bosser. C'est pas pour autant que je ne bosse. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes là. Lorsque tu nais dans un pays, il faut savoir où on est. Tu peux pas être dans un avion et puis ne pas connaître le nom de la compagnie.
au moins le nom de la compagnie et on va où? Dès lors que tu es africain, et pour exagérer, dès lors que tu es en Afrique de l'Ouest, et pour exagérer encore, dès lors que tu es au Burkina, et pour tout gâter, dès lors que tu es enfant de pauvre au Burkina, mon ami, si tu veux, il faut aller au Master 12. On va se le voir ici. C'est pourquoi avec mais le mythe... Tu réussis, c'est avec le Master. Quand on réussit, on fait réussir les gens. C'est ça la définition du succès. Mm-hmm. Quand tu réussis, tu fais réussir les gens. Okay. C'est tout. Alors, donc, c'est pas contre le fait que tu vas étudier. Okay. Mais ça sert à quoi à la fin? D'accord. Voilà, au moins à travers cette vidéo, je viens d'apprendre un nouveau mot baptisé Loafé. Voilà, donc Loafé. Alors, là, c'est assez fort quand même. Si tu veux, va jusqu'au master, on se retrouve ici. Mmh. Pourtant, on sait tous que l'école, aujourd'hui, hein, de ce qu'on a appris, c'est le seul moyen, la seule voie pour devenir quelqu'un dans la vie. Comment quelqu'un qui ne va pas à l'école peut réussir? Donc, si vous dites ça, c'est imposer une volonté. C'est pas la seule voie. Et d'ailleurs, même, c'est la voie la plus risquée. Mais pourtant, vous êtes allé loin à l'école, au fait. Oui, mais moi, quand le médecin prend 7 ans pour devenir docteur, c'est pas en 7 ans qu'il soigne le malade. Mmh. Sinon, il va le tuer. Mmh. C'est en 2 minutes, 3 minutes. Mmh. Sinon, si tu vas faire 7 ans dans le bureau d'un médecin, tu vas mourir là-bas. Mmh. Donc, nous sommes allés à l'école pour sauver nos petits frères, pour sauver des générations. Nous, on part à l'école pour sauver des générations. Oui, quand dans une famille, il y a un gars qui a master, tout le monde n'a même plus obligé d'avoir BBC. Mais si le gars avec son master, il n'a pas eu de boulot. C'est que c'est un faux master. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi, quand j'ai découvert que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. D'accord. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Mm-hmm. Et ce voleur en Afrique s'appelle école. L'école, c'est le plus grand voleur des jeunes Africains qui peut te conserver pendant 25 ans, tout en sachant qu'il n'a rien pour toi à la fin, mais il te conserve quand même. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse africaine que nous ne sommes pas des Chinois. Les Français, les Américains, les Indiens, ils vont à l'école pour préserver des acquis. Parce que les arrière-grands-parents étaient riches. J'ai rencontré un monsieur ici qui me disait qu'il est burkinabé, mais il dit que son grand-père avait la nationalité burkinabé. Mmh. Et son père a la nationalité. Et lui, il parle maoré. Mmh. Mais si tu vas aux États-Unis, tu choisis un jeune de façon aléatoire, tu vas voir que son grand-père savait lire et écrire et peut-être était riche. Mais quand tu choisis un Africain, surtout en Afrique de l'Ouest, de façon aléatoire, tu vas voir que son papa même ne sait pas lire et écrire. À plus forte raison s'il a un compte bancaire. Donc, à partir de là, nous, on va à l'école pour bâtir quelque chose afin que nos arrière-petits-fils viennent préserver cet acquis. Mais si ton papa n'a rien, ta maman n'a rien, c'est toi qui cherches master, mais tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de chercher ce qu'il faut faire, il faut chercher l'essentiel. Okay. L'essentiel, c'est de savoir lire et écrire, de savoir raisonner. Et tu rentres dans l'auto-éducation. Pourtant, on lit et écrit, on apprend à lire et à écrire à l'école. Pas oui, mais quand on va remonter en 3000 ans avant Jésus-Christ, ils ont bâti les pyramides comment? Là, moi, je repose la question. Mais c'était des gens qui apprenaient dans le tas. Allez-y étudier l'histoire des Platon, les Aristote, les Épicure. À l'époque, la sagesse était livrée en live. Vous travaillez. Il faisait des one third, one third, one third. One third, ça veut dire un tiers de ton temps, c'est pour apprendre. Un autre tiers de son temps, c'est pour appliquer. Et un autre tiers, c'est pour aider les autres. Donc, les gars prenaient cours maximum 3-4 heures par jour. Et le reste, c'était pour travailler et bâtir. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse capable de prendre cours de 8 heures à 18 heures. Comme si c'était pour fabriquer des avions. Et alors qu'après, c'est juste pour devenir chômeur. Donc, on ne peut pas risquer toute une vie et une jeunesse à la recherche d'un papier sur lequel on écrit nom, prénom, diplôme et puis cachet. Je trouve que c'est risqué. Ça, c'est ce que je trouve. Donc, pour moi, nous sommes tous appelés à aller à la quête de la connaissance. D'accord. Parce que Jesus Christ said, « My people is dying lack of knowledge. » Mon peuple meurt par manque de connaissance. Okay. Mais il n'a pas dit manque de diplôme. Il a dit manque de connaissance. La connaissance, c'est tout ce qu'il nous faut. Et tu dois payer le prix même qu'il faut pour connaître. D'accord. Mais est-ce que nous connaissons? D'accord. Est-ce que nous connaissons? La question reste posée. En tout cas, on garde Coach Simon Ouedraogo avec nous. On se retrouve tout juste après cette courte page de pub. Vous suivez WAM.